Ensemble,
Invention de Salines. Là, on peut voir un poster de Salines qu'ils appellent notre sauveur. J'imagine parce qu'ils ont sorti de l'océan et que maintenant ils peuvent vivre sur Terre. Donc, vous pouvez voir des poissons humanoïdes. J'imagine qu'on peut trouver dans cette BD un peu une inspiration Miyazaki. En tout cas, ça m'a fait penser au travail de Miyazaki. Donc ça va être une aventure avec de l'action. Mais c'est une histoire qui est quand même un peu mélancolique. Enfin, j'adore, mais je suis pas fan de la fin.
BD que j'ai beaucoup aimé récemment, c'est Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Ces événements ont pu se dérouler il y a fort longtemps, ou bien ils se produisirent dans un lointain futur. Plus personne ne le sait vraiment. Au fond d'une ancienne vallée, creusée par un glacier, se trouvait un petit royaume oublié de tous. Pourquoi les gens suit l'histoire de ce jeune homme de Shuna qui part à la recherche de cette fameuse graine pour nourrir son peuple. Et en chemin, du coup, il va lui arriver des choses assez incroyables et il va aussi rencontrer des créatures assez fantastique, extraordinaire, enfin, comme Miyazaki a l'habitude d'en créer. Voilà, c'est un joli conte. Comme je vous disais,
C'est vraiment un héros très courageux, comme Miyazaki sait les écrire, qui est même téméraire, je disais. Donc voilà, là on le voit partir pour son grand voyage. Voilà, un personnage plein de courage. Je l'aime bien, j'aime bien aussi le personnage. L'histoire est vraiment...
vraiment une des meilleures BD que j'ai lues ces dernières années. Je sais pas pourquoi je l'aime autant, mais c'est vraiment très original. On va dire que l'époque, les personnages, l'endroit où ça se passe aussi, c'est hyper cool, c'est bien écrit. Les personnages sont vraiment vivants, les personnages de la maison le sont. C'est terminé. Image.